بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته والأمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. الله ne nous renvoie pas à nos faiblesses, à nos ressources, et prend en charge tout ce dont nous avons besoin. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Là, je vais essayer, comme on m'a demandé, de vous entretenir sur le bonheur dans le Coran. Entre autres, parce que la commande, elle est un peu ambiguë, d'où la réponse à la commande va revêtir la même confusion, pas confusion, mais généralité. On va essayer d'être le plus clair possible. On a le devoir d'être heureux. Donc, imam que je suis, les imams souvent, ils essayent de tout ranger sous l'item du droit, de la jurisprudence, faire et ne pas faire, obligatoire et interdit. Il est obligatoire, c'est un devoir. Donc, c'est une manière de juridiser un peu cette thématique très, très complexe. Pour la simplifier un peu, c'est un devoir d'être heureux pour le musulman. Le bonheur étant le corollaire de la foi, la confiance en Dieu, de la vie avec Dieu. On ne peut pas prétendre être l'ami de Dieu et être malheureux. C'est incompatible. Si on n'est pas heureux, il faut déclencher une enquête et vérifier ce qui ne va pas entre moi et Dieu, exalté soit-il. Donc, il ne faut pas que je sois le spectateur de ma vie et attendre que les circonstances m'octroient, m'attribuent ce bonheur, ou le hasard m'installe dans le malheur. Le musulman est un acteur de sa vie. Il est censé prendre le volant, le cockpit de sa vie et ne jamais laisser l'autre c'est Shaitan, l'autre c'est le mal, l'autre c'est les suppôts de Shaitan, l'autre. C'est à moi, Allah m'a responsabilisé, c'est à moi de prendre mon destin entre mes mains et faire en sorte que je sois heureux et me donner tous les moyens à même de réaliser ce goût de la vie dans son sens coranique, ici-bas et dans l'au-delà, de réaliser ce salut ici-bas et dans l'au-delà. Et le salut ici-bas ne doit pas se substituer au salut de l'au-delà, et le salut de l'au-delà ne doit pas être un prétexte pour vivre la misère ici-bas. Ça commence depuis moi-même. Je me dois d'opérer cette bonne gouvernance au sein de moi-même. J'ai l'empire de mes passions, de mes pulsions, de mes phobies, de mes craintes, de mes peurs, de mes lâchetés, de mon attachement ici-bas, de mon rapport à mon corps, à ses besoins. Et donc, je suis censé mettre de l'ordre dans tout cela. Ça, c'est la manière dont Allah nous a créés, et par là, mais celui qui l'a créé, conçu, réalisé, Allah, et
lui a imprimé son enclin vers le libertinage et son enclin vers la liberté, je dirais, vers le mal, vers le bien. Mais pour moi, le bien, c'est la liberté. Le vrai, le bien, le juste, le beau, c'est la liberté. Lorsque l'homme se libère de toute autre emprise, de toute addiction, de toute attache, sinon à l'attache qui le lie à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est l'homme libre. C'est ça la liberté. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara, la maman de Marie. Donc, quand elle était grosse de son bébé, Marie, elle fit ce dua à Allah, subhanahu wa ta'ala, je m'engage, Allah, de t'offrir, d'offrir au service de ton temple, de ta maison, mon bébé, lequel bébé libre et libéré de toute emprise, autre que celle de te servir, de te servir Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est presque la seule occurrence où on voit le mot hurriya. Ça n'existe nulle part dans le Coran, sinon pour affranchir les esclaves. Et ici, pour dire que l'homme, lorsqu'il naît, il naît affranchi de toutes sortes de joues, de fer, de chaînes, d'attaches, sinon de son appartenance à Allah. Exception à la règle, la société de spectacle, quand on essaie de reproduire les mêmes schémas. Voilà, donc c'est Allah qui a imprimé en nous ces deux enclins, ces deux penchants, et c'est à l'homme, parce qu'il se laisse l'homme, passif, spectateur de sa vie, de facto et fatalement, c'est l'enclin vers le mal qui va l'emporter. Le mal au début n'en est pas un, hein. C'est juste essayer d'être, parce que en fait les deux enclins, un enclin pour nourrir le corps qui sert de réceptacle au joyau spirituel que Allah nous a donné. Il faut bien, s'il n'y avait pas ce corps, quelques reproches et quelques nous lui fassions ce corps, c'est une condition indispensable pour que notre esprit agisse ici-bas, sinon on serait avec les anges. Voilà, donc le corps est à l'esprit ce que le verbe, le mot est à l'idée. Si on n'utilise pas des formules, des mots, des expressions, nos pensées, on se regarde pour nous-mêmes. Moi, je n'ai pas accès à tes neurones, à tes fichiers neuronaux, ni tes fichiers cardiaques pour les scanner et découvrir ce que tu penses. Il faut que tu passes par le verbe. Ainsi, pour l'esprit, pour que l'esprit agisse, qu'on le voie, voilà. Il faut passer par le corps, et de quel corps? Il faut l'entretenir. Mais il y a entretenir et gaver et se transformer en prisonnier de ce corps. Le corps est censé être le réceptacle, et sa valeur, elle est proportionnelle à la valeur du joyau spirituel que ce corps porte, aussi longtemps qu'il s'acquittera de cette mission, de cette fonction. Le corps est quelque chose. C'est une bénédiction d'Allah, c'est une faveur pour laquelle on ne remerciera jamais Allah.
subhanahu wa ta'ala. Mais dès lors que les besoins de ce corps, qu'on nous phagocyte, dévore, colonise l'esprit, l'étouffer, le rendre prisonnier au lieu de lui servir de refuge, d'abri, ça c'est, voilà, ça s'appelle trahir le pacte, ça s'appelle trahir l'engagement pris par Dieu sur nous dans une vie pré-éternelle, lorsqu'un Seigneur prit des reins d'Adam, sa postérité, il les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent, si, tu es notre Seigneur. Alors, si longtemps que ce corps restera dans les bornes de sa fonction, de sa mission, c'est-à-dire réceptacle de ce joyau, de ce souffle de Dieu en nous-mêmes, faire ce weight of the corps, lorsque je l'aurai ramené à la perfection, le corps, et lui aurait insufflé de mon ruh, de mon esprit, c'est Allah qui dit, faqa'u lahu sajidin. C'est en ce moment, le corps ne vaut rien du tout sans ce souffle divin en nous qui a fait de l'homme, éthiquement et moralement parlant, à l'image de Dieu, porteur de toutes les qualités qui sont en Allah infinies, elles sont en nous ces qualités finies et bornées par notre petitesse humaine, par nos bornes adamiques. Voilà, donc on commence pour vivre ce bonheur par établir cette harmonie, cette paix en nous-mêmes, réussir cette bonne gouvernance de tout ce que Allah nous a donné. Tout ce qu'il nous donne, c'est un bien. La colère est un bien. Mais sinon, on ne réagira pas. On est en train de ne pas réagir, d'ailleurs. Et notre colère, quand on la laisse se libérer, elle se libère pour des futilités. Alors qu'on peut en faire un outil, mashallah, qui transformera le cours de l'histoire. L'attachement au corps, un minimum d'égoïsme salutaire, mais sinon, s'il n'y a pas ce minimum d'égoïsme, je peux mourir de faim. Il faut que je mange, il faut que je me repose, n'est-ce pas? Donc, et tous ces aspects sont salutaires à condition de les mettre au service, comme la maman de Marie, du temple, hein, le temple terre. Le prophète Allah a fait pour moi que la terre me soit une grande mosquée. L'extension de la mosquée, ce n'est pas 100 mètres carrés, c'est la terre et tout ce qu'elle contient me soit, et soit pour Mahoma, un élément sanctificateur et purificateur. Et donc moi, j'essaie de bien moi pour gouverner, j'essaie de maintenir en moi cette image qui me fait ressembler à Dieu subhanahu wa ta'ala, et dans ma démarche de transposer cette entièreté, si vous voulez, cette universalité, l'homme universel, disait El-Jiri, donc les maîtres soufis, donc il parlait de l'homme universel, Rajulul Kamil, de l'homme vertueux, l'homme universel, l'homme entier, grand tâche, hein, quand je dis l'homme, c'est grand tâche, c'est pas moi, c'est pas le petit tâche que je suis, grand tâche, et essayer de transposer cette perfection pour que ça déteigne, ça déborde sur notre environnement, parce que le salut ne doit pas être individuel, en islam, il est collectif ou il n'est pas du tout. Donc c'est de transposer cette entièreté, cette perfection sur notre environnement et faire en sorte qu'une gouvernance des hommes, des relations, des institutions soit la meilleure possible. Dans la première, Allah me dit وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ne réaliseront le salut que ceux qui
qui prennent une distance par rapport à leur égoïsme, à leur tendance égotique. Je, c'est cette tendance égotique qui est en nous, salutaire si on peut, si on arrive à bien l'utiliser, à mettre à bon escient, et qui se transforme en cause de perdition, d'échec, de déchéance, si on n'arrive pas à l'utiliser comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne réaliseront ce salut que ceux qui se départissent de cette tendance égotique. Hein, ne se rendent pas prisonniers de leur égoïsme. Et aussi dans la cité vertueuse, on est censé, vous voyez la logique. Donc, moi, j'essaie d'être à l'image de Dieu, n'est-ce pas? La société, donc mon environnement, j'essaie de le transformer à mon image, qui elle-même est à l'image de Dieu, justement pour essayer d'instituer, d'installer cette cité de Dieu, cette cité vertueuse, heureuse. Et dans les versets coraniques, Allah nous entretient sur tous ces aspects générateurs de salut, de paix, de bonheur. J'en cite à titre d'exemple, hein, pas la génisse, la vache, j'aime pas trop la vache, génisse 177, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la vertu, moi je dis toute la vertu, c'est le vrai, le bien, le juste, le beau, n'est-ce pas ? La vertu ne consiste pas en ceci, de se tourner vers l'Orient ou l'Occident, le couchant, le levant ou le couchant, mais cette vertu consiste en ceci. Et là, Allah, il va nous lister, énumérer un grand nombre de vertus, une panoplie, un paquet de bonnes œuvres qui font justement, qui constituent la définition de cette vertu. C'est très important. Allah il dit ce que la vertu n'est pas, commence par ça, et il nous dit ce que la vertu est. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Voilà. Mais la vertu consiste en ceci, de se confier à Dieu. J'aime pas trop croire en Dieu, c'est trop. Se confier à Dieu, parce que la foi, étymologiquement, c'est se fier, c'est la confiance en Dieu. Je crois que 2 plus 2 égale 4. Se confier à Dieu et accorder foi au jugement dernier, aux anges, aux saintes écritures, aux écrits, prophètes, salat wassalam. 1, 2, à donner, donc, passe des contenus de la foi à des aspects plus pratiques de cette vertu. À donner de son bien pour attacher qu'on y soit à la hubbi, ragma hubbi, wa athal mala ala hubbihi, ça veut dire ragma hubbihi, malgré mon attachement à mon bien, j'accepte, je fais l'effort de me départir d'une partie de ce bien. Je fais l'effort, c'est quelque chose qui coule comme de source, qui se fait dans la spontanéité, il nécessite un effort aussi, comme je disais tout à l'heure. Que je sois dans l'action, pas dans la facilité, ou être le malin à la rouper, à donner de son bien pour attacher qu'on y soit aux proches, orphelins, miséreux, voyageurs en détresse, tombés en panne. Le Coran les a qualifiés de des enfants du chemin, c'est-à-dire même si chez eux ils étaient riches, mais comme ils sont voyageurs loin de leur camp, loin de leurs ressources, donc ils sont considérés comme des personnes vulnérables et fragiles qui méritent notre solidarité. Aux mendiants, Sahili,
et pour la franchise, pour l'affranchissement du joug de l'esclavage des personnes qui en sont victimes. 3. Accomplir la salat, la prière. 4. S'acquitter de la zakat. Vous voyez la distinction. Et puis, il parle de donner l'argent, mais il ne s'agissait pas de zakat, sinon le Coran tomberait dans une redondance. Le Coran ne se répète pas. Le premier, c'est le fait d'être toujours dans cet esprit du don. Le don, que, pas que de l'argent, le don de soi, de sa disponibilité, c'est cet élan soutenu dans le sens de la charité, le premier. Il est plus important que la zakat étant une manifestation, n'est-ce pas, une fois par an, de cet élan soutenu vers la charité. S'acquitter de la zakat, impôt purificateur. On aurait les engagements pris par eux et surtout apprendre aux patients. Pourquoi je dis surtout, pour ceux qui connaissent un peu la grammaire là-bas, parce que on était dans le cas sujet. On était dans le cas sujet. Après, comment se dit qu'on passe du cas sujet au cas direct? Normalement, si on était dans le sens du cas sujet, on aurait dit « وَصَابِرُونَ صَابِرُونَ صَابِرِينَ » Ça sous-entend « وَأَخُصُّ بِذِكْرِ » Et j'insiste, je spécifie surtout, n'est-ce pas, ceux qui développeront cette vertu qui est l'endurance. L'endurance dans les trois cas. Hein, le cas de la privation, la disette, la pénurie, cas de la souffrance, maladie ou autre sorte de souffrance, ba'sa, abdara, wa hin al-ba'sa, est dans l'adversité. Parce qu'on vit un vide relationnel dans les lieux de conflit et d'adversité. Donc, Allah, il nous parle de cette endurance. Les personnes qui essayent d'être dans cette vertu dans toutes ses déclinaisons, ceux-là sont les véridiques. Ce sont eux qui se prémunissent, ce sont les vrais atriya. Atri, c'est l'ami d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà donc une prescription coranique de ce que pourrait être l'accomplissement de l'homme multidimensionnel, corollaire, si vous voulez, générateur de cet état de béatitude spirituelle, de cette joie de vivre qui, en fait, elle est empruntée de la joie éternelle dans le voisinage de Dieu. C'est un paradis avant le paradis, nous dit le Coran, dans la surah Al-Baqara, à ces gens-là à qui Allah va gratifier de son voisinage éternel, ils s'exclameront, ils s'écrieront, mais on a déjà goûté, savouré de ce délice paradis. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa, qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha. À chaque fois, Allah leur envoie un jet, une provision paradisiaque, qui s'esclave, c'est quand même, là, déjà eu un acompte, un avant-goût de cette béatitude, de cette extase, volupté pleine. Et Allah, de dire, oui, effectivement, wa utu bihi mutashabiha, Allah, de valider, de signer leur constat. Et effectivement, ils ont déjà eu droit à ces délices lorsqu'ils étaient là-bas. Aujourd'hui, on dit ici-bas, Inch'Allah, parce qu'on sera dans le voisinage d'Allah, on parlera de là-bas, pas ici-bas. Dans le Coran, à maintes reprises, je vais défiler quelques versets qui nous parlent justement. Thank you.
Dans la sourate les abeilles, 97, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Celui qui œuvre dans le bien, qui est à l'origine d'œuvres vertueuses, pieuses, masculin ou féminin, voilà, ce serait dispensé de le dire pour bien appuyer en conscience, c'est-à-dire le fait pour Dieu, pas dans l'inadvertance, pas par singement, par imitation, par conformité, parce que les autres font, je fais en conscience pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui garantit une vie, une douce vie, la dolce vita. Donc une vie, une douce vie, une paisible vie. Hayatan tayyiba, hayatan tayyiba. Allah, justement, pour faire le lien entre Jannah, Allah, il qualifie Jannah, entre autres, de Touba lahum wa husna ma'ab. Touba, ça vient de Tiba, mais c'est le superlatif, c'est la forme intense, si vous voulez, de cette quiétude, de cette douceur ici-bas, dans l'au-delà, elle est ramenée à son maximum. N'est-ce pas? Voilà. Dans la sourate Taha, Taha, chez les Wash, Tahi, voilà, entre les différents degrés du I en arabe. Donc, dès le générique de la sourate, Allah a dit « Ma anzanna alayka al-Qur'an litashqa » Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Qur'an afin que tu sois malheureux, pour te mettre dans le gêne, dans le malheur, loin, s'en fout. « Illa tazkirata liman yakhsha » Et c'est très souvent, c'est par l'opposition que nous comprenons la portée des mots. Et il nous parle de Shaqa, et au moment où on s'attendait à s'en opposer, le bonheur, il parle du rappel de Dieu. Amen. Tout simplement pour nous dire que c'est dans le rappel d'Allah que ce bonheur se reconquiert. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ceux qui se sont fiés à Allah et dont les cœurs s'adoucissent au rappel d'Allah, leur amoureux Allah, n'est-ce pas dans le souvenir, par le souvenir, le rappel d'Allah que les cœurs s'adoucissent et s'apaisent, hein, lorsqu'ils opposent le dhikr au malheur. C'est pour nous donner, pour nous tendre la perche et nous donner un élément d'analyse, si vous voulez. Voilà. Parce que parler de bonheur sans nous donner les moyens de le réaliser, c'est pas digne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je parle de bonheur en te mettant à ta portée le moyen sûr pour réaliser ce bonheur. C'est-à-dire être dans le rappel, dans le souvenir d'Allah, dans notre mission ici-bas. De l'engagement pris sur nous dans ce moment pré-éternel, et toute notre vie en fait, elle consiste à s'inscrire entre deux moments, ce moment initial d'excellence, de virginité spirituelle, d'excellence éthique à l'image de Dieu, et un moment en fait qui consiste à recouvrer cette sainteté, cette excellence initiale, d'où le fait de rappeler. C'est pas découvrir autre chose que l'homme ne connaissait pas auparavant. C'est pas vrai. C'est tazkir. C'est juste rappeler un lieu ancien, initial, voilà, pour essayer de le recouvrer
premier amour, Allah subhanahu jalla fa'ala. Voilà. Et ce sentiment, il reste un peu de temps, Youssef, ou je vais me suivre. Je tiens la parole jusqu'à l'arrivée de votre ami, voilà. Donc en fait, une partie qui met initialement vous croyez, et le reste c'est pour faire la figuration, pour maintenir l'assistance en état d'éveil. Allez, Mashallah. Pas grave, je suis là. Dans cette et ce sentiment de bonheur, en fait, il est le produit des efforts qui sont les nôtres pour bien gouverner l'empire en nous-mêmes et faire en sorte que les choses en dehors de nous se passent bien. Et donc, c'est lorsque nous nous retrouvons à la limite de nos capacités pour cette gouvernance intérieure et cette gouvernance extérieure, lorsque nous nous retrouvons à la limite de nos capacités, de nos efforts, ça nous procure ce plaisir, cette volupté, cette joie de vivre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fasbir, à l'endroit de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à travers lui, il a kulli man yasrahu al-khitab lahu, disent les exégètes. À travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce même discours est à l'adresse, à l'endroit de toute personne à même de comprendre ce discours et de se l'appliquer à elle-même. Fasbir ala ma yaqulun wa sabbih bihamdi rabbik. Donc, endure, soit dans l'endurance, dans la patience, tiens bon contre toutes ces calomnies, ces insultes, ce dénigrement. Continue à sanctifier, glorifier Allah en le louangeant. Donc, sabbih, biham, c'est deux actions en même temps, tasbih et ilham. Bi, c'est ba al-musahaba. C'est pas? Donc, sanctifie, glorifie lieu en même temps que tu le louanges, que tu le remercies, Allah subhanahu wa ta'ala, avant le lever du soleil et avant son coucher, qabla tulu' ash-shams wa qabla ghurubiha, et wa min ana'i al-layli fasabbih, et choisis quelques créneaux de la nuit aussi pour faire la même chose. Donc ce même tasbih wa atraf al-nahar, et les deux extrémités de la journée. Et c'est quoi la finalité? La'allaka tarda. Se peut que tu développes cette satisfaction. Voilà. Ce sentiment d'être satisfait de Dieu. Et la notion de satisfaction, elle revient très souvent dans le Coran. Et comment on reconnaît que Dieu est satisfait de nous? Quoi connaître d'une manière conjecturelle, pas sûre et certaine. On ne le saura jamais avec certitude, mais un ordre, c'est quoi qui nous donne un ordre d'idée que Allah est satisfait de nous, qui est à nos côtés. Déjà, il faut être de son côté, il faut qu'il soit de notre côté, oui. C'est mathématique, ça. Pour être sûr que Allah est proche de moi, il faut que je sois proche de lui. On peut être... Non ? Mais pour que je sois proche de lui seul, il faut qu'il... Je ne peux pas être proche de lui à 10 km, c'est incompatible. Voilà, pour que Allah soit proche de moi, il faut que je sois proche de lui. Et corollairement, si vous voulez, et pour que Allah soit satisfait de moi, il faut que je sois satisfait de lui. Et donc, reconnaître la satisfaction de Dieu, ce qui est de moi, de ce que je fais, se mesure à l'aune de ma satisfaction de lui. Radiyallahu anhum wa radu anhum. C'est
Ce sont deux notions inséparables, comme la proximité. Radiallahu anhu, Allah est satisfait de eux, d'eux, comme eux sont satisfaits de lui. On ne peut pas. Si toi, tu n'es pas satisfait de Dieu, comment veux-tu que Allah soit satisfait de toi? C'est, voilà. Et donc, cette satisfaction, elle passe justement par ses efforts de culte, de glorifier Allah, d'être, de l'avoir dans sa pensée, pour être dans la pensée de Dieu. C'est très important. Fadhkuruni adhkurkum. Voilà. Donc, si on veut qu'on soit évoqué par Allah, humain, c'est symbolique dans la pensée de Dieu, mais pensée pas comme la nôtre. Je ne veux pas trop avoir fréquenté les chrétiens, j'ai fini par utiliser le mot, parce que chez nous, on ne le dit pas, la pensée de Dieu. Pour que Dieu nous évoque, voilà. Il faut que nous l'évoquions, Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est Dieu qui le fait couronner, adhkurkum, c'est une condition sine qua non. Évoquez-moi, voilà. Soyez dans le souvenir, dans le rappel de Dieu, et moi, j'en ferai de même. Voilà. Et justement, ce bonheur, en fait, c'est le produit d'une action, mais laquelle action, elle provient de la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout est dans, même lorsque je prétends moi être le mourid, parce que dans notre littérature soufie spirituelle, on établit une distinction entre mourid et morad, celui qui emprunte le chemin en quête de Dieu et celui qui est capté par Dieu. C'est Dieu qui le capte, qui le ramène vers lui. Voilà, et on établit cette distinction. Je ne suis pas trop d'accord sur cette distinction. Toute personne qui emprunte le chemin de Dieu, elle est captée par Allah. Sauf que, très souvent, l'homme se trouve sous-équipé pour mettre la main justement sur l'explication de la situation. On est tous captés par Allah, on est tous guidés par Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est du ressort du fait que Dieu l'ait permis, nous ait cooptés, nous ait aidés pour le faire, et c'est notre doigt à chaque jour dans la prière. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, à qui nous offrons notre amour, notre culte. Et c'est de toi exclusivement que nous implorons, que nous demandons l'aide pour mener à bien ce culte. Seul, livré à tous ses ennemis, à toute cette pollution, à toute cette manipulation sournoise, perfide, imperceptible au commun des mortels que nous sommes, sans l'aide de Dieu, sans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on tombera dans les filets de ces manitou. Donc, c'est pour dire que l'homme à qui Allah a permis de prendre le guidon de sa vie, d'être l'acteur de sa vie et pas le spectateur de sa vie, est censé développer cette perception du bonheur, parce que le bonheur, il existe partout autour de nous. C'est l'homme qui ne le voit pas, comme le mal aussi. Le simple d'appartenir à Dieu, ça aiguise en nous, ça raffine en nous la perception du bien et du mal. Dans les degrés les plus subtils, les plus cachés, et plus on développe l'acuité visuelle de l'œil du cœur, plus Allah nous permet cette visibilité et du bien, donc du bonheur avec toute sa triptyque, hein, le vrai, le bien, le juste et le beau, hein, et en même temps développe en nous cette
capacité de discerner, de distinguer le mal, déjà de le repérer, et de distinguer ses niveaux, strates, pour ne pas dire degré, parce que degré normalement, en arabe, on le rend bien, mais en français peut-être c'est moi qui me connais la langue française, lorsqu'on parle d'élévation, on parle de degré. Lorsqu'on parle de chute, on ne parle plus de degré, on parle de darakat, darajat et darakat. Inna al-munafiqina fi darak al-asfali min al-nar. Les hypocrites occupent le degré, je le dis en français parce qu'en arabe, ce n'est pas daraja, c'est daraka, c'est l'escale, on va dire, qui fait descendre. Ah, peut-être. Il y a l'ascenseur, on peut parler de descenseur. Allez, je fais un néologisme. Le descenseur, l'ascenseur qui fait, qui élève, le descenseur qui fait chuter. Voilà. Donc, appartenir à Dieu, faire ce travail de désennuagement du cœur, recouvrer cette virginité initiale, cette acuité de l'œil du cœur, quand je dis de l'œil du cœur, c'est coranique. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ne pérégrine-t-il pas, ne parcourt-il pas la terre pour développer ce fiqh? Fiqh, c'est la compréhension profonde des choses. Ne pas se laisser impressionner par les illusions d'optique, je ne sais pas du tout sur ça. La vraie science est celle qui réussit à dépasser la première impression, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas du tout sur ça, il sort sur la première impression. Personne ne fait le mal, disait Platon, et le Coran, il le prend en charge. Platon disait, personne ne fait le mal en sachant que c'est mal. C'est après l'avoir édulcoré, indoloré, lui enlever la douleur, la couleur, encapsulé, enrobé, embelli, enjolivé, n'est-ce pas, que l'homme craque, n'est-ce pas, sur l'appât satanique. Mais sinon, l'homme ne le fait pas. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَ. Abel est qu'un conteste. Le criminel des deux frères a mis à mort son frère après moult et maintes négociations, domptations, domestications. C'est طَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ. Donc il y a tout ce travail de préparation psychologique, d'embellissement du mal pour accomplir le finish, pour commettre, pas accomplir le finish criminel et mettre à mort son frère et commettre le péché. Flashback. Quelqu'un qui rigole sur cette rhétorique filmique. Ouais, mais c'est vrai, j'ai fait un peu la communication de le fait que je sois colonisé un peu par ce champ lexical. Voilà, donc on est censé faire un travail sur cette perception. On dit, pour déguster une œuvre d'art, il faut faire un travail sur son regard. Parfois, il faut 10 ans de formation, d'études, n'est-ce pas, pour pouvoir savourer une fresque. Voilà. Et c'est ainsi pour la fresque d'art qui nous est offerte par Allah. Alors, cet univers, ces univers, ce plurivers, pour dire plusieurs univers, déroulés sous nos sens, nos organes sensoriels, et surtout sous ce regard du cœur, l'œil du cœur, il faut un travail. Voilà. La prière, le jeûne, soutenir l'élan de charité, cet élan de charité soutenu, travaillé. Hein. Il n'y a que comme ça que nous puissions développer justement cette acuité visuelle
5 sur 5, cette clairvoyance du cœur et être sensible au bienfait d'Allah, générateur de ce bonheur. Être sensible à tous les maux, tous les mensonges, le faux, les injustices qui sont aux aguets, n'est-ce pas, pour mettre en péril ce bonheur que nous vivons. Donc, vous voyez, donc, le mal, le bien existe, le mal existe, mais les hommes, les femmes, avec un grand âge, diffèrent pour ce qui est de sa perception au niveau de l'acuité visuelle qu'ils ont en eux, n'est-ce pas? Plus je développe cette clairvoyance en moi, plus je suis sensible aux bienfaits que Allah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala me fait vivre. Et en même temps, sentir le danger, n'est-ce pas, que font courir à ma foi, à ce bonheur, tous ces manitous, tous ces sorciers, voilà, pour mettre à mal ce bonheur que je vis avec Allah, subhanahu wa ta'ala, dit un poète chrétien libanais, dans une œuvre, une longueur, mashallah, à lire, mais la traduction, elle est facile aussi. Kun jamilan tara al-wujud jamila. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. Donc, pour que tu voies le bonheur, le perçoives, pour que tu le perçoives, il faut que toi-même sois beau dans le sens, la bonté de cette clairvoyance du cœur, pour que tu sois, que tu développes cette porosité, cette perméabilité, n'est-ce pas, à ce spectacle offert par Allah subhanahu jalla fi'ala. Parce que si toi tu pixelises cet écran qui t'a été offert version constructeur, n'est-ce pas, vierge, lumineux, sans le pixel, si tu le laisses s'obscurcir, après, tu ne recevras, tu ne verras aucun bienfait. Tu vivras dans à broyer le noir, n'est-ce pas, à ne voir que les échecs, à tourner en rond, vivre le pessimisme. Mais ces images, toutes ces images nous sont données, en fait, par notre cher prophète Mohammed al-Sallam, lorsqu'à chaque fois, il nous a fait cadeau de faire une exégèse d'un paragraphe coranique. Par exemple, je vais vous en citer deux. Après, je passe le micro. Ah, mais je peux continuer? Oui, allez, je continue. Ma niaiserie pour amuser les gars. Tiens. Donc, notre cher prophète, alayhi salatu wasalam, dit, c'est inscrit à l'ombre d'un hadith, mais déjà, ces hadiths qui font l'exégèse, c'est-à-dire le commentaire du Coran, du Coran, l'exégèse, pour ceux qui ne comprennent pas le mot, peut-être est-il assez technique. Voilà, au-delà de prendre cette provision prophétique, exégétique, c'est bien de s'en inspirer, hein, pour définir la meilleure approche du Coran. Voir le prophète ne va jamais à décrypter les lettres, voilà. Mais juste vivre à l'ombre du Coran, pour laisser le soin à d'autres de vivre aussi sous ces arbres coraniques. Dans le verset de la sourate Al-Baqara, Allah nous dit, certes, Satan vous promet la pauvreté et vous incite vers la turpitude. On revient, si vous voulez, sur cette corrélation entre fermer les horizons, hein, c'est Satan vous installe dans le pessimisme, en fait. Il vous promet
l'échec, la pauvreté. Et lorsqu'on est en panne de projet, on ne voit que dalle, disent les Marseillais. Ah mais on commence à penser à acquérir les biens entre guillemets d'une manière illicite, pas légale, n'est-ce pas? Parce qu'on est en panne. On parle de projet. Shaitan nous installe dans ce climat enténébré. Et nous commençons à broyer du noir, à être dans le pessimisme. Et donc, pour gagner sa vie, on commence. Donc, cet état psychologique nous incite vers la turpitude, en fait. Voilà, c'est الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Magnifique, ما شاء الله. En revanche, Allah يعدكم مغفرة منه وفضلا, il vous promet pardon, rémission de vos péchés, wafadla, une subsistance généreuse, sans point compter, c'est lui qui détient le royaume des cieux et de la terre, les deniers, hein, pour approvisionner les créatures, c'est lui seul qui les détient, et heureusement, qul law antum تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم من الخير وكان الإنسان قطورا. Si vous déteniez les trésors du royaume, alors vous aurez privé les créatures d'Allah. Allah nous dit heureusement que lui seul détient ses deniers. N'est-ce pas? C'est le trésor qui contient notre subsistance. Et Allah nous promet pardon et pourvoiement en subsistance sans compter. Wallahu wasi'un alim. C'est lui qui possède toute cette richesse et cette générosité et ce savoir aussi. Parce qu'il ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. Et si Allah avait prodigué ses subventions, ses subsistances à n'importe qui, n'importe comment, alors une partie de ses armes en aurait fait mauvais usage. Mais il fait descendre avec justesse, avec proportion, parce que lui, c'est lui qui nous a créé, qui nous connaît, il fait descendre avec proportion. Voilà, lequel approvisionnement de ces créatures se fait en connaissance de cause, d'où le fait de dire wasi'un alim. C'est lui qui détient ces trésors, cette générosité, et il le fait avec connaissance de cause. Yuti hikmata. Mayasha, et là, c'est un autre niveau pour nous dire que c'est dans le don que l'homme se constitue cette sagesse, cette maturité. Cette maturité, elle se constitue à travers cet élan soutenu de charité. Hikma, ce n'est pas une philosophie. Je lis Platon, c'est bien de lire. Mais la hikma, ne se développe pas exclusivement dans la lecture de ces philosophes. Elle se développe sur le tas, dans le don, dans la charité, nous dit le Coran. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَنْ يَذَكَّرُونَ إِلَا أُولُو الْأَلْبَابِ. Le prophète s'inscrit, je disais, à l'ombre de ce hadith pour nous dire que, en fait, Shaitan, il se met, pas chez un, le cœur de l'homme, il a deux proximités. Une proximité satanique, je ne sais pas pourquoi je flash sur Shaitan. Le fait de broyer du noir aussi, ça dénote une psychologie un peu pessimiste, peut-être. Le cœur,
a deux proximités, une proximité satanique et une proximité angélique. Et ça rejoint le verset du début. Et par là, mais celui qui l'a créé, conçu, réalisé, et lui a imprimé les deux penchants, en fait. N'est-ce pas? Et chaque penchant, il ouvre sur une entité. Le penchant vers le bien, il ouvre vers le monde angélique. Et le penchant au mal, il ouvre vers l'univers du mal, l'univers satanique. Et c'est nous qui détenons ces interrupteurs. C'est à moi d'appuyer. Mais l'interrupteur n'est pas... L'interrupteur, c'est la bonne œuvre. Quand je suis dans la bonne œuvre, c'est l'équivalent d'appuyer sur l'interrupteur qui m'ouvre sur l'ambiance angélique. N'est-ce pas? Et lorsque, de par mon égoïsme, le fait de céder devant la tentation, c'est comme si j'ai appuyé sur l'interrupteur qui m'ouvre sur cet espace satanique. Mais pas, alhamdoulilah, pas d'une manière irréversible. Il y a toujours matière à faire dire volte et changer la vie, heureusement. Voilà. Donc, deux proximités, une proximité satanique et une proximité angélique. Inna li shaytani bi qalbi ibn adam lammatayni, lammata al-malak wa lammata al-shaytan. Lamma, c'est la proximité. Fa amma lammata al-malak, la proximité angélique, parce que je suis dans l'œuvre, dans l'effort, dans cet élan soutenu vers le bien, vers le vrai, vers le juste, Allah m'ouvre. C'est une action ouvrante sur une ambiance, un univers angélique qui est de nature à réaliser deux choses en moi. L'action de Dieu en moi se réalise à travers deux choses. Et c'est moi qui par l'effet de grâce divine qui ai fait ce pas. تصديقهم بالحق إعاد بالخير وتصديقهم بالحق. Donc, première action de Dieu en moi, suite à cet effort, c'est le fait de me placer dans l'espérance, إعاد بالخير, me placer dans l'espérance. Donc, je ne suis plus en panne de projet, ça m'ouvre les horizons, ça irradie, illumine mon chemin. J'ai l'embarras du choix. Et la deuxième action de Dieu en moi, c'est le fait de consolider mon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tasdiqun bil haqq, ça développe ma foi en Dieu, ça développe cette intimité, cette amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala. En revanche, la proximité satanique a aussi deux effets. Au prophète de nous dire, celui qui se retrouve dans la première catégorie, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas grâce à lui qu'il a fait ça, c'est pas un gladiateur, l'acteur principal du film, hein? C'est une grâce divine qu'il en soit reconnaissant et dans la gratitude. En revanche, la proximité satanique, c'est-à-dire spirituelle, je cède devant la tentation, je ne suis plus dans l'effort, je favorise les besoins de la chair au détriment des besoins du cœur, du joyau spirituel, je me laisse entraîner par la force de chute des hormones au détriment de la force élévatrice des neurones et de ma spiritualité. Donc cet échec s'ensuivra d'une ouverture sur le monde des ténèbres. Lequel monde des ténèbres? Il me met dans le pessimisme. Donc elle me met dans le pessimisme.
à broyer du noir, ne pas voir le bout du tunnel, et elle attiédit, elle amollit, elle fragilise ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et au prophète de réciter le verset que je vous ai récité tout à l'heure, pour votre écoute.